Ça part. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour un petit swap avec Mareva. Si je rigole c'est parce que Mareva elle est là-bas sur le côté, donc en fait elle va me voir filmer cette vidéo. Le swap que moi je fais à Mareva, vous le retrouverez sur sa chaîne YouTube. Et ici bah, vous êtes sur le swap que Mareva m'a fait. Pour ceux qui connaissent pas le swap, on se fait un échange de cadeaux avec un budget qu'on a défini. Et voilà, on s'offre des petites choses, c'est Noël avant l'heure. En premier, elle m'a donné 3 cadeaux qui rentraient pas dans le sac d'Ada Sport et qui sont même pas emballés parce qu'elle, vas-y, elle a eu la flemme. Donc on a une petite éponge licorne, comme ceci. Après, on a des baumes pour les lèvres, là, des baumes à lèvres. Grave à la mode à l'ancienne sur YouTube et tout. Et enfin, nous avons des petits bonbons licornes, des céréales licornes, je pense qu'ils doivent être multicolores. Et à l'arrière on a un super dessin licorne à remplir. C'est parfait, Mareva pourra le faire tout à l'heure. Elle s'occupera. Bon allez, on attaque du coup le gros sac. Première étape de tout ça, ouvrir le petit carnet. Allez, c'est parti. Aïe, deuxième swap ensemble. Il n'y a pas d'ordre, fais-toi plaisir. Oh parfait. Si t'aimes pas un truc, fais semblant. Voilà. J'y ai mis tout mon cœur et mon argent, que du love. Hop, c'est parti. Bon, bah du coup, je vais pas me casser la tête et je vais prendre dans l'ordre qui me tombe sous la main. Donc, tout beau, tout bleu. Oh, j'adore cette sensation de devoir deviner les trucs. Je sens... Je sais pas. C'est mou, on dirait un peu une longe. C'est un licol. C'est un licol. Non, c'est pas un licol. Si, c'est un licol. C'est un licol pour Son Goku. Trop mignon. Il est vraiment tout petit. En fait, je vous explique, j'ai passé une commande sur un site. Il y avait un licol poulain offert. J'allais pas cracher dessus. Du coup, j'ai pris poulain taille cheval. Oh, parce que je me suis dit, ça va aller. Oui, non, mais Son Goku, c'est sûr, ça lui va. Je prends parce toujours que poulain, j'ai pas. Voilà pourquoi il est vraiment trop mims. Je me suis dit, peut-être que c'est. Trop bien. Ah. Du coup, c'est un licol de la marque QHP. Et comme Mareva vient de vous expliquer, elle l'avait reçu en cadeau dans une commande. Et du coup, hop, elle me l'a refilé. Ensuite, à la demande de madame. Ça c'est une brosse. Ça c'est une brosse. Pour la petite histoire, mes brosses elles étaient toutes pourries. Du coup, bah, vu que je me suis racheté une nouvelle boîte de pansage, Unicorse et tout, et ben j'ai demandé des belles brosses. C'est des Pénélope. Sérieuse. Ça c'est quoi? J'ai des... Hein? Wesh. On a des brosses, on a un truc Pénélope et une brosse Kentucky. Ah la classe. On va pouvoir se la péter dans notre campagne hein. Vous avez pas ça, vous. C'est un collier pour chien. J'ai même pas lu. La couleur, c'était une évidence. Alors, c'est orange. Ah, je sais pas. Ah, c'est horrible, elle est à côté de moi. C'est un collier pour chien. Je sais que c'est un collier pour chien. Je sens qu'il y a un truc qui fait le tour. C'est un collier pour chien orange. Enfin, jaune moutarde. Trop beau. C'est le Kentucky? Ouais, je l'avais vu en plus. C'est un petit collier orange pour Maïdo. Enfin, orange, jaune moutarde. Trop beau. Il est incroyable, genre vraiment. Elle va être trop belle mon chien avec. Ouais. Trop stylé. Pour l'instant, Son Goku et Maïdo, ils sont gâtés. Une paire de guêtres. T'as pas lu? J'ai pas lu, j'oublie toujours de lire. Peut-être pour être BG en concours. Une paire de guêtres. Pour soleil. La classe. Wesh. C'est trop beau. Elles sont trop belles. Bon, bah du coup, c'est une paire de guêtres de chez BR. Elles sont super belles. Elles sont marron. C'est vrai que t'as les noirs. Ouais, j'avais les noirs Véridus. Belle paire marron. Ça... Trop belle. J'adore. Ouais. Voilà. J'adore. Ça, c'est pour le petit gros. Pour mettre des paillettes dans ta vie. C'est un frontal de chez Hector. Enfin, je sais même pas si c'est un frontal d'ailleurs, mais j'en ai fait la déduction. Il est si beau. J'adore. Trop beau. Ça, ça va aller sur le filet de dressage. Le Ma selle de dressage.
Parce que pour la petite histoire, sur les concours de dressage, j'ai ma veste bleu marine. Sur mon ancienne selle de dress, j'avais du coup mes étriers free jump avec, qui étaient avec les détails bleu marine. Et du coup, bah, ma rêve, elle avait pris le petit frontal avec les petits détails bleu marine. Voilà, le jour où on récupérera la selle de dressage. Oh, j'aime trop, il y a trop de trucs encore là. Hein. Chacun son chapeau, pas de jaloux. Un bonnet anti-mouche ? Un bonnet tout court ? Est-ce que... T'es la pire ! C'est pas ce que tu m'as donné, j'avais commandé bien avant de te demander. T'es la pire. Donc, pour la petite histoire, j'ai acheté sur Uppersport le tapis gris et grenat. Et ma rêve, elle a décidé que c'était mon nouvel ensemble de cross. Genre, elle m'a pas laissé le choix. Et je lui ai dit, genre, je suis sûre que pour le swap, tu m'as pris une toque grenat et... Bon, le bonnet, j'étais pas du tout au courant, par contre. Et du coup, un bonnet cas création gris et grenat pour aller avec le tapis. Trop beau, j'adore. Il va être trop beau au soleil. Bon bah voilà, nouvel ensemble de cross. Maintenant il va falloir savoir lequel du gris et grenat ou du orange et gris je vais mettre à la mode l'année prochaine. Ça va être encore une histoire ça, je vous le dis. Il y a intérêt à ce que tu le montes en une heure. Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Est-ce que je le monte en une heure? C'est un puzzle ou un truc comme ça, un Lego là. Oh c'est trop mignon! Oh non j'adore. Alors c'est une licorne, donc voilà c'est vraiment tout petit, mais c'est des mini Lego, genre vraiment des mini Lego pour construire une licorne. Bref, donc le challenge c'est que je le monte en une heure. Donc à la fin de la vidéo vous me verrez monter la licorne en moins d'une heure. J'espère que je vais y arriver. Ça a l'air super long. Ça a l'air très très long. Yes. Ouais. Tu sais plus combien. Bon, on verra ça. Donc rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir si je relève le challenge. Je suis pas sûre hein. Donc après une heure de construction, voici à quoi ressemble ma licorne. Le défi est complètement raté, je n'en suis qu'au petit 1 du schéma explicatif. Plus d'excuses, tu crosseras en bordeaux. Allez, le pantalon bordeaux. Le t-shirt bordeaux, le polo de cross bordeaux. Le base layer bordeaux, si je peux même me dire. C'était pas français ce que je viens de dire. Trop beau. C'est quoi comme marque? Je connais pas. Voilà. C'est bon, on a notre ensemble bordeaux. Mais oui, c'est vrai, du coup, j'ai mon pantalon gris Show Riders pour monter avec. Trop beau. Regardez-moi ça, là, comment on va se la péter. Oh lolo. Je suis émue, j'ai hâte de retourner crosser. Trop bien. Ah, ah bah alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est une brosse à crin. Papier. Quoi le papier? Ah c'est vrai, j'ai oublié de dire. Pour vos crinières, oui bah ça va, un peu de respect aussi. C'est donc une brosse à crin. Oui. C'est une brosse à crin hypotonique. Avec le petit manche bleu. Comme la malle de pansage unicorse. Ça c'est... Vous la voyez pas à côté mais genre elle est là. Qu'est-ce que je suis forte. Oh non. On a dit saut, il en aura besoin. Oh ça c'est pour Kiki Sangoku parce qu'il ressaute. Ça c'est des mini guêtres. Des mini guêtres pour Sangoku. Oh, ah. Oh si si. C'est des mini guêtres d'obstacles. Elles sont bleues, genre ça fait des... Oh, j'adore. Eh, ça fait des petites guêtres de professionnels genre. Trop mignonnes, elles sont trop belles. Bleu ciel comme ça là. Pépites. Tout va ensemble, genre c'est ça. Dans Nicole. Ça. Tout, genre. J'adore. Trop mignon. Trop mignon. Il va être trop chou. On va aller en balade là, on va grave lui mettre. Il va être trop mignon. Bonsoir. Bon, en gros, j'ai commandé un truc qui n'est pas encore arrivé parce que voilà les livraisons. Et il s'agit de. De bandes de polo mix équiline vert sapin. Oui, pour aller avec le tapis. Restez. Yes, parfait. Bon bah trop bien. Bah voilà, du coup c'était le petit swap qu'on a préparé pendant le confinement parce qu'on s'ennuyait. Et donc on s'est chauffé pour faire ça. Donc du coup je vous laisse aller dans la barre d'infos voir le swap de Mareva. Et franchement, c'est pépite. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.